وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala comme il mérite d'être craint. Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits, des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. Et il a choisi parmi ses bienfaits celui qui a la plus grande valeur auprès de lui. Et qui est la plus élevée, c'est le bienfait de l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné ce bienfait à qui il veut parmi ses serviteurs. Et il en a privé une grande partie. Et ils auraient bien espéré avoir ce bienfait, comme Allah ta'ala dit dans le Coran. Certainement, les mécréants auraient espéré être musulmans, s'ils savaient ce qu'était l'islam. Et surtout, bien sûr, le jour du jugement dernier, tout le monde aurait espéré accepter cette religion. Et ce bienfait-là, qui est le bienfait de l'islam, c'est celui qui est le plus en danger, que l'on peut perdre facilement. Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, des doigts d'Allah, qu'il tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Ya'qub alayhi salat wa salam, il a enjoint à ses enfants de préserver ce grand bienfait qui est le bienfait de l'islam. Et il a dit, comme il dit dans Sourate al-Baqarah, verset 132, dans le sens des versets, « Ô mes enfants, certes Allah vous a choisi la religion, alors ne mourrez qu'en étant des musulmans, des gens soumis à Allah, tabarak wa ta'ala. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala très souvent avec cette invocation, « Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Parmi les invocations que les gens enracinés dans la science faisaient, comme Allah Ta'ala dit dans Surat Ali Imran, « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana » Notre Seigneur, n'égare pas notre cœur, ne fais pas égarer notre cœur après que tu nous aies guidés. Et chaque musulman est ordonné d'invoquer Allah dans chaque prière en demandant à Allah la guider quand il dit « Ihdina sirat al-mustaqim ». Chaque jour, minimum 17 fois, nous demandons à Allah de nous guider et de nous garder dans la guidée et de ne pas nous égarer. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait « Le serviteur ne peut pas se passer du raffermissement d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil. » D'ailleurs, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a ordonné de lui demander la guider. Dans le hadith al-Qudsi, il dit « Mon serviteur, mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé, alors demandez-moi la guider et je vous guiderai. » Ce qui met en danger cette guidée et cette religion, cet islam qui est le bienfait le plus cher à nos yeux, le bienfait dont la personne profite en ce monde en trouvant la sérénité et la paix et en trouvant l'objectif de sa vie, et dont il va profiter dans sa tombe, et dont il va profiter éternellement dans l'au-delà. Ce bienfait, qu'est-ce qui le met en danger? Ce sont les épreuves et les tentations. Les tentations. Et ces tentations sont très nombreuses. Elles sont comme les gouttes de la pluie. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, certes, je vois tomber les tentations entre vos maisons comme je vois tomber les gouttes de la pluie. C'est-à-dire, elles sont nombreuses. Ces tentations-là, elles secouent les cœurs des serviteurs, sauf celui qu'Allah tabaraka ta'ala a préservé. Celui qui se penche vers ces tentations, celui qui penche vers elles, alors elles l'attrapent et elles le font perdre. N'importe quelle personne de vivant n'est pas préservé de la tentation et de l'égarement. C'est pour ça que nos exemples sont les morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont restés vivants et qui sont morts
sur ce qu'Allah tabaraka ta'ala agrée et aime. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des tentations dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, les tentations sont présentées au cœur comme chaque bâtonnet de bois se présente l'un à l'autre pour former une natte. Quand on forme une natte, c'est avec des petits bâtonnets. Chaque bâtonnet, il est obligé de toucher l'autre, n'est-ce pas? De se présenter à l'autre pour se croiser et former une natte, l'hasrir, qu'on met au sol. Comme ça, les tentations, elles sont présentées au cœur. Tu ne peux pas y échapper. Elles vont venir, elles vont te toucher, tu le veux ou tu veux pas. Mais il y aura deux manières. Celui qui les accepte, alors une tache noire sera faite sur son cœur. Et celui qui ne la suit pas, qui la refuse, qui prend aide auprès d'Allah pour ne pas la suivre, une tache blanche se mettra sur son cœur. Jusqu'à ce que les cœurs soient de deux sortes. Un cœur noir, ra'an, comme le goudron. Et un autre blanc, aussi lisse que le mont Safa, aucune impureté, ni aucune saleté, ni aucun péché ne peut s'y accrocher. Les tentations, que tu le veuilles ou non, elles vont être présentées. Ça dépendra de la manière dont tu vas réagir face à cette tentation. Ces tentations-là, elles peuvent être même la cause de te sortir de l'islam dans une seule journée ou dans une nuit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, dépêchez-vous de faire les bonnes actions, car il va venir des tentations aussi sombres que la nuit noire. La personne va se réveiller le matin croyant et il va se coucher le soir mécréant. Et il va se coucher le soir croyant et il va se réveiller le matin mécréant. Pourquoi ? Car il vend sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. L'imam Nawawi, rahimahullah, a dit, regardez, si une personne dans une journée, il peut avoir tous ces changements-là, ça veut dire, comment sont la grandeur des tentations qui lui seront présentées au cœur. Et le prophète lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qui est le meilleur des hommes, il demandait à Allah de le préserver dans sa prière à la fin de la salat, quand on demande de préserver des tentations de cette vie et de tentations de la mort. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné aussi de demander protection à Allah contre les tentations. Et il a dit, demandez protection à Allah contre les tentations, ce qui en est apparent et ce qui en est caché. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Parmi les tentations qui peuvent faire faiblir ou partir la religion, il y a la tentation des femmes. Cette tentation-là, elle peut faire glisser le pas d'un homme jusqu'à le faire glisser très loin et délaisser sa religion. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, « Je n'ai pas laissé une tentation plus nuisible pour les hommes de ma communauté que les femmes. » Puisque cette tentation est très grande, alors c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a ordonné aux femmes de s'ancrer dans leur maison, de rester à la maison. Et de ne sortir que s'il y a un besoin nécessaire, ou un besoin que l'homme ne peut pas accomplir. Mais même si elles doivent sortir pour ce besoin, c'est en se cachant et en préservant leur pudeur pour ne pas être une cause d'être tentée ou de tenter les autres. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, il n'y a pas de doute que le fait de laisser les femmes aller se mélanger aux hommes, c'est la base de tout mal et tout malheur. Et ça fait partie des plus grandes causes pour avoir des châtiments généraux qui touchent les musulmans. Parmi les tentations, il y a la tentation de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il a dit que ce n'est pas la pauvreté qu'il a peur pour nous, mais c'est notre amour de l'argent et shohra, d'être connu, de la célébrité qu'il a peur pour nous, l'amour de ce bas monde. L'argent est la tentation de cette communauté. Et cet argent-là, il peut être la cause que la personne, il le prenne comme divinité en dehors d'Allah. Il aime l'argent plus qu'il aime Allah. Il est prêt à vendre sa religion. Il est prêt à tout vendre pour l'argent. Il est prêt à vendre ses principes. Il n'a plus aucune morale. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a, ils sont prêts à voler père, mère, frère, tout le monde. Juste pourquoi ? Pour l'amour de l'argent. Quand tu es venu en ce monde, serviteur d'Allah, tu es venu les poches et les mains vides et tu vas repartir de la même manière. La seule chose que tu vas emporter avec toi, ce sont tes actions, bonnes et mauvaises.
Parmi les plus grandes causes de perdre la religion et de s'égarer, c'est le fait de suivre les choses équivoques dans les règles religieuses. Et de prendre toutes les facilités dans le halal ou dans le haram. Ou bien de ruser pour chercher à commettre l'interdit. Et tout cela, ce sont des choses qui corrompent la religion de la personne. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surah Shura, dans le sens des versets, et appelle à ceci, et sois constant comme il t'a été ordonné, et ne suis pas leur passion. Sulayman Taymi, parmi les salafs salih, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahullah, a dit, si tu prends la facilité de tout savant, alors tout le mal sera réuni en toi. Si tu vas chercher n'importe quel savant qui te donne toute facilité, tu vas avoir une religion qui n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Car les savants ne sont pas préservés de l'erreur. Chacun peut donner une facilité dans laquelle il s'est trompé, ou bien même que c'était pour un cas précis et les gens ils l'ont pris après en général. Et le fait de négliger les petits péchés, et dira-ce que des petits péchés, ça aussi c'est une cause de perdre la religion. Car un petit péché fait constamment, ça devient un grand péché. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu an abi, qu'un grand péché ne reste pas grand quand quelqu'un se repent et demande pardon à Allah. De même qu'un petit péché ne reste pas petit quand quelqu'un le fait avec constance. Même le petit péché fait constamment, il devient un grand péché. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il a dit, faites attention aux petits péchés, aux péchés que vous méprisez, vous croyez que ce n'est rien de grave. Car ils se réunissent sur la personne jusqu'à ce qu'il le perde, qu'il l'emmène à sa perdition. Si on veut être préservé de tout ça, il faut, barakallahu fikoum, s'éloigner des péchés. S'éloigner des manquements dans les obligations vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car si la personne fait des péchés et délaisse les obligations, alors Allah l'égare. Comme Allah ta'ala dit dans Surah As-Saff, quand ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur. Et la personne qui est étonnée par soi-même, étonnée par ses actes, ça aussi, c'est un péché en islam, pour laquelle la personne peut être châtiée, et pour laquelle la personne peut s'éloigner du fait d'être ferme dans sa foi et dans sa religion. Alors que Yusuf alayhi salam, qui est un prophète et un messager parmi les messagers, un prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a demandé l'aide à Allah seul de le préserver, de glisser dans le péché, quand il a été appelé à faire le péché. Et il a dit dans le sens des versets, « Oh Allah, si tu ne m'écartes pas leur manigance, je risque de pencher vers elle et je serai parmi les ignorants. » Son Seigneur là, lui a répondu à son appel et il a écarté de lui leur manigance. Donc il s'en est remis à Allah seul. Il n'a pas fait confiance à sa propre personne, car personne n'est préservé que par la volonté d'Allah, tabarak wa ta'ala. De même que le fait d'être pressé de voir les effets de nos actes, d'être pressé de voir les résultats de ce qu'on fait. Ça, c'est contraire au ikhlas, à la sincérité. La sincérité, c'est de travailler pour Allah, que l'on voit les résultats ou non. Le jour du jugement dernier, certains prophètes vont venir alors que personne ne les a suivis. Personne. Sans personne. Sans aucune personne. Et pourtant, ils ont fait leur travail, car ce sont des prophètes envoyés par Allah. Certains prophètes vont venir avec une personne, deux. Certains autres avec 10. Le résultat ne nous incombe pas. Ce qui nous incombe, c'est d'obéir à Allah, d'adorer Allah en faisant les actes, en faisant les obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été envoyé à Mecca alors qu'il y avait des statues adorées autour de la Kaaba. Mais ce ne l'a pas empêché de conseiller le bien et de déconseiller le blâmable. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala d'une façon imprécise. Ceux qui, quand tout est facile, ils adorent Allah, et quand les difficultés viennent, ils arrêtent l'adoration d'Allah. Ou le contraire, quand il y a des difficultés, ils s'en remettent à Allah, quand il y a des facilités, ils oublient Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le sens des versets, il en est parmi les gens qui adorent Allah d'une façon imprécise. Quand il lui arrive un bien, il se tranquillise.
alors que quand il lui arrive une épreuve, ils détournent leur visage, il a perdu ce monde et l'au-delà, voilà ce qu'est la perte évidente. Parmi les causes d'être préservé de l'égarement et des tentations, il y a la lecture du Coran et le fait d'évoquer beaucoup Allah tabarak wa ta'ala. Ce Coran, comme Allah dit dans sourate An-Nahl, les abeilles, dans le sens des versets, dit « C'est le Saint-Esprit qui l'a descendu de ton Seigneur avec la vérité et afin de raffermir la foi de ceux qui croient. » Et celui qui fait beaucoup d'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala et qui s'éloigne des péchés, alors celui-là, il sera encore plus raffermi dans sa foi, comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, dans le sens des versets, « Si seulement ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur et leur aurait été cela aurait été meilleur et les aurait affermis plus dans leur foi, dans le sens des versets. » De même que les actes les plus aimés d'Allah, c'est les actes faits avec constance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, « Certes, les œuvres les plus aimées d'Allah, c'est celles qui sont faites avec constance, celles que la personne fait constamment. Et le fait de s'asseoir avec les savants et d'avoir des bons compagnons, c'est une cause aussi d'augmenter la foi. Car quand tu fais une erreur, quand tu fais le bien, quand tu faiblis dans le bien, il va te renforcer. Et quand tu fais le mal, il va te réprimander et te déconseiller le blâmable. Et Allah Ta'ala nous a ordonné cela. Il a dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les gens véridiques. De même que dans les histoires des prophètes et des messagers, il y a de quoi renforcer la foi et raffermir la foi. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Hud, dans le sens des versets, « Et chacun d'entre eux, nous te racontons son histoire parmi les histoires des messagers pour raffermir ton cœur. » De même qu'il faut être satisfait de ce qu'Allah nous a écrit et de ce qu'il nous a destiné, que ce soit dans les malheurs ou dans les difficultés, ou dans les fatigues de cette vie, et cela fait partie des piliers de notre foi et de notre religion. C'est avec ça que le cœur se tranquillise, c'est avec cette satisfaction que l'on trouve le bonheur et la tranquillité, et sans cela on ne peut pas le trouver. D'ailleurs le croyant est plus patient et le plus patient des gens dans les moments des difficultés et des duretés, et c'est celui qui se satisfait le plus de ce qu'Allah a destiné pour lui. Parmi ces choses-là, c'est le fait de se satisfaire de ce qu'Allah nous a octroyé et d'avoir une bonne pensée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, ça fait naître une accroche, une attache à Allah, tabaraka wa ta'ala, et de mettre sa confiance, pleine confiance, totale confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, « Certes a réussi celui qui est entré en islam et qu'on lui a donné ce qui lui suffit et qui s'est satisfait de ce qu'Allah lui a octroyé. » La foi, elle faiblit, comme elle augmente. Et pour pouvoir augmenter cette foi-là, il faut renouveler. Comment elle peut s'épuiser, la foi? Et pour la renouveler tout le temps, il faut la renouveler avec le repentir sincère, à chaque instant. Le repentir sincère et mettre son espoir en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cet espoir, ce repentir sincère, et cet espoir qu'on met seul, un espoir qu'on met en Allah seul, c'est ça qui va tenir notre âme bestiale et qui va nous empêcher de suivre nos passions. Et le fait d'invoquer Allah, c'est une chose nécessaire pour tout musulman. Et le fait aussi d'avoir le monothéisme pur dans son cœur et de savoir que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est à lui seul qu'on voue nos actes et nos adorations. Ça, c'est parmi les plus grandes causes d'être ferme dans sa religion. Regardez l'histoire des gens de la caverne. Quand ils étaient dans la caverne, فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا. Ils ont dit, notre Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et la terre, on ne n'invoquera en dehors de lui aucune divinité. Le résultat, ça a été quoi? Allah Ta'ala a dit, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Et nous avons raffermi leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le tawhid. Ils avaient la foi sincère et pure, le monothéisme pur. Ils vouaient un culte pur et exclusif à Allah Tabaraka Ta'ala. De même qu'il faut faire beaucoup d'actes surrogatoires, que ce soit dans les adorations ou dans le fait d'aider les nécessiteux, les orphelins, les femmes veuves, les gens qui sont dans le besoin. Car Allah Tabaraka Ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi,
Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, il sera l'oreille avec laquelle je serai l'ouïe avec laquelle il entend, et l'œil avec lequel il voit, et la main avec laquelle il attrape, et le pied avec lequel il marche. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Celui qui préserve son corps, qui préserve ses membres, alors Allah lui donnera le meilleur bienfait, qui est quoi ? Husnul khatima. Husnul khatima. Nas'Allah yarzuqana jami'an husnul khatima. La bonne fin. Ce qui compte, c'est la fin. Quelqu'un qui est sincère, Inch'Allah, il meurra d'une bonne manière. Mais quelqu'un qui joue avec Allah, qui n'est pas sincère, qui cherche l'ulou fi dunya, fi hadhihi al-ard, à s'élever seulement dans cette terre, qui cherche ce bas monde, alors Allah Ta'ala va le dévoiler un jour ou l'autre et il ne mourra pas d'une bonne fin. D'ailleurs, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit « La mauvaise fin, elle n'est pas pour la personne qui est constant en apparence et qui a un intérieur pur. » On n'a jamais entendu ça et on n'a jamais vu ça, il a dit. Mais la mauvaise fin, c'est celui qui est que sa raison est corrompue et qui est constant dans les grands péchés et qui avance souvent vers les choses, les interdits et les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers musulmans, pour finir, il faut combattre l'âme bestiale, de suivre ses passions et l'empêcher d'aller vers l'égarement et la pousser à rester ferme dans sa religion. Et cela n'est pas possible seulement avec un cœur pur, seulement avec un cœur pur avec lequel on va se présenter à Allah le jour du jugement dernier. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien ni enfant ne seront utiles, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. Et ce cœur, il doit être purifié de quoi avant tout ? De tout associé qu'on donne à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui contredit le tawhid, le monothéisme pur. Et aussi, il doit être purifié de toute bid'a, de toute innovation qui est contraire à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute passion qui est contraire à l'obéissance. Et de toute insouciance qui est contraire à l'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et de toute passion qui est contraire à la sincérité. Car celui qui a des objectifs autres que le visage d'Allah, alors c'est contraire à la sincérité et ses œuvres ne sont pas acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors soyez sincères dans vos actes et demandez à votre Seigneur qu'il vous raffermisse dans votre religion et demandez à Allah la protection contre les tentations, ce qui en est apparent et ce qui en est caché. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets « Oh vous qui avez cru, patientez et rivalisez de patience et soyez constants dans l'obéissance et craignez Allah, certainement vous serez parmi ceux qui ont réussi. » Fanas Allah tabaraka wa ta'ala an ya'simana min al-fitani ma zahara minha wa ma batan wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.